Lorsqu'on embarque sa société dans une opération de marché, comment rester le patron, comment rester maître à bord, comment ne pas s'inquiéter de toutes les parties prenantes, parce que là, on est dans une situation vraiment particulière. Pour une fois un petit peu rare, on va avoir autour de soi des banquiers, des avocats, des actionnaires historiques et puis aussi des investisseurs de demain à convaincre. Donc, comment rester le patron dans un environnement aussi compliqué? Pour avoir vécu les différentes situations en tant que conseil, plusieurs choses possibles. La première, c'est vouloir rester maître à bord et ne déléguer aucune tâche à aucun des intervenants. Ça rend les choses un petit peu compliquées parce que c'est un monde, le monde des opérations de marché, c'est un monde où tout le monde a sa place, tout le monde sait comment ça fonctionne et chacun a son rôle à jouer. Donc il faut impérativement que le patron d'entreprise délègue un certain nombre de choses à faire à chacune des parties qui seront autour de lui, qui sont là d'ailleurs pour l'accompagner, qui ne sont pas là pour entraver son développement et son projet. Autre situation, c'est aussi le patron qui se désintéresse totalement de l'opération et qui dit: oh là là, alors ça c'est des questions de comptable, ça c'est des questions de banquier et ça c'est des questions d'avocat, c'est pas mon métier, moi je suis dans l'opérationnel, ça m'intéresse pas du tout vos discussions, donc faites les conférences téléphoniques entre vous, je serai pas là et puis vous me raconterez ensuite ce que vous vous êtes dit. Voilà, mauvaise situation aussi parce que le patron, il est là pour convaincre, il est là pour convaincre les investisseurs, c'est sa personnalité aussi et on va dire de manière générale la personnalité de l'équipe dirigeante, très 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 importante aux yeux des investisseurs. Donc sa présence et son charisme, puisqu'en général c'est le cas, sont fondamentaux. Et puis aussi, il a le droit à un moment donné de siffler la fin de la récré et de dire: bon, chacun revient à sa place, je pense qu'on va mettre les curseurs à cet endroit et à mon avis c'est un bon consensus. Et ça, c'est à lui de le faire.